Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé, et le raid a commencé. J'ai même pas le temps de dire bonjour. Bien joué le jeu. L'ascenseur a été juste là. On monte par là, je ne sais pas s'il y a. Ok, il y a un très très méchant pas beau là-haut. Il y a une relique, sache un coffre. Une relique, tout à fait. Qu'y a-t-il dedans? Tiens, la Messie, un kit de déblocage d'entente. Ça, c'est bien. On a eu une relique découverte, tout à fait. Alors, personnage. Bientôt niveau 48. Hein. Peu débloqué. Nous allons débloquer Rex, qui est notre solo carry. The sky is the limit of my strength. Art, on a pris. C'est quoi ça? Limite de sa force. Apprends un art. Apprends un art. Bon, en même temps, on va les mettre, hein. Cela dit, on n'a pas déverrouillé les armes, mais on va les faire quand même. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ça? Meilleur un art signature. Garde impossible, inflige des dégâts qui percent la défense ennemie. Ça augmente les dégâts. Vas-y. C'est son A, ça, hein, son ultimate. Augmente de 50% les dégâts infligés, réduit de 20% les dégâts subis, un allié KO à peu de PV. C'est bien, ça. Permet de feinter un art, apprendre à avoir exécuté un autre, augmente de 5 TPT au début d'un enchaînement. Donc 7% des dégâts infligés quand un critique est asséné. Ça fait quoi, ça? Attaque physique, zone d'effet, améliore un art, frappe roulée. Tourbillon double. C'est très bien, ça. Let's go. On a quoi? La taille d'améliore un art. Sa défense augmente le pourcentage de dégâts bonus de 40 points si un coup critique est infligé. Monte 100% des dégâts infligés et réduit 25% des dégâts subis, un allié KO. Mais. Ah, c'est de l'amélioration de la compétence que je viens de débloquer. D'accord, très bien. Augmente le pourcentage de coup critique de 10 points et sous des dégâts bonus à celui de 30. Et là, ça améliore, du coup, je peux. Voilà. Ok, effectivement. Vas-y, on met tout sur Rex. C'est trop fort. Non, Nicole, t'as quoi d'autre, toi? On avait déjà mis pas mal de trucs. Hein. Regardez un peu de points d'entente quand même. Pourquoi on a besoin de faire quoi que ce soit d'autre? Pas croisé. Hop, ça c'est bien. Compétences. On a plein de trucs et accessoires, manuel, tactique. On a eu le 18. Multiplié par 1,5 les dégâts infligés quand l'ordre d'attaque est critique. On n'a pas débloqué un autre tout à l'heure en butant le... Si, c'est ça. Alors, 100%. Multiplié par 1,5 les dégâts infligés quand l'ordre d'attaque auquel le personnage participe est terminé. On va quand même mettre ça, je crois, c'est mieux. Augmente de 110% les dégâts infligés par les combos d'union. C'est pas dégueu, ça. Et vas-y. Hop, let's go. DPS ou pas DPS, hein, après tout. Bon, t'arrives en dessous. Pas de déconner. Hop. Et puis, on n'était plus dans le raid. Voilà, on sera arrivé par là. On va aller chercher ça. Ça se trouve, c'est un kit de déblocage. Cristal noir. Non. Ok, bon, là, il y a un raid. On va être obligé de le faire. On va pas avoir le choix. Paf. Déséquilibre. Tac. Ouais, alors il y a un gros, c'est ça? Ouais, lui c'est un gros, très bien. Le gamer, ça pas cher. Attaquez lui plutôt. Monado push. Paf.
Ok, il me donne un coup de queue. Allez. Il n'y a rien de... de sous-entendu, évidemment. Ok, déséquilibre. Et oui, la chute là. Allez, la chute est là. Parfait. J'avais pas besoin de faire ça avec la gâchette. J'avais directement accès. Mais c'est pas grave. Et explosion, méga écrasement. Paf. Ça éclate tout le monde. Paf. Urodel dissonant. Ça dégage. Hop. Paf. La guerre du Rodel. Ça c'est fait. Salut vous. En effet, mieux des points. Bon, tu prends cher là, Mathieu. Enfin, tu te fais agresser par tout le monde en tout cas. Est-ce qu'on pourrait avoir Nicole? Voilà, parfait. Bien joué. Pas des attaques coordonnées, s'il vous plaît. En fait, je vois pas trop à quoi il sert de, le fait de ne pas avoir l'attaque coordonnée de base, étant donné que, enfin l'attaque ciblée, étant donné que ça ne sert à rien de ne pas le faire, je trouve. C'est juste strictement moins bon. Après, c'est intéressant dans le sens où là, il y a pas mal d'ennemis. On va en avoir besoin, du coup, pour que Nicole prenne l'aggro. Effectivement. Parce que du coup, ils vont y aller tout seuls. De même. Voyez. Après, là, on a envie que lui meure vite. Et donc, si on veut qu'il meure vite, qu'on soit tous dessus. Mais effectivement, pour reprendre l'aggro, il faut le désactiver, je pense. Hop, ça, ça dégage. Arrêtez de taper le... Non, on va taper le... Non. Arrêtez pas de taper. Tapez le truc. Voilà. On a pas besoin de l'enchaînement. Une petite projection. Paf. Normalement, un combo d'union, Rex, il fait plus de dégâts. Je fais plus de dégâts, Rex. Il est vrai. Il y a eu la chute là. J'ai loupé. J'ai loupé la chute. Dommage. Dommage, il n'y a pas de chute. On arrive. Donc, il va quand même prendre ça. Hirodèle monté. C'est un Hirodèle démonté. Éclaté. Ah mais il y a beaucoup de monde là par contre. Et c'est la chute. C'est l'éjection. C'est la projection. C'est la mort. Cyclone de flèches, paf. Paf. Allez, ça tu vas dégager très vite à mon avis. Mais voilà. Effectivement, c'était un peu too much peut-être. Y'a qui là? Ils sont au-dessus. Ah effectivement, c'est un peu drapeau. Maintenant, c'est qu'ils arrivent à le toucher alors qu'ils le voient même pas. C'est la base. Hop. Et zou. Tapez le mur. Nice. Camarade, c'est plus où se mettre.
Un étendard de moins. Où est la suite du raid? On va construire ça. J'espère juste que ça m'annule pas le raid. La musique est encore là, donc je n'ai pas l'impression. Ah mais si, ils sont là, voilà, ok. Parfait. Paf. Bah tout à la traîne, moi. Hop. Toi, tu dégages. Pas très bien. Waouh. Approche, tu veux pas m'agresser toi là-bas? Voilà, ok. Très bien. Comme ça on va garder le... l'aggro. Non, ils veulent pas que je tape le... voilà. L'étendard. Ready or what? Oh, y'a lui. Hop. Ça dégage. Tintin. Hop. 110% normalement. Blong. 110% de dégâts en plus. Ça fait des dégâts, effectivement. Hop. L'étendard, il dégage. On reste plus que vous. Hop. La vie lui prend de cher. Ah, peut-être pas. Enfin, le fait de taper les autres. C'est qui d'autre qui est tombé là? Je sais plus où je tape. Je vous avoue, je sais plus où je tape. Hop. Ah mais ils comptent pas eux. Ils comptent pas pour le raid. Ah si, ils comptent pour le raid quand même. Est-ce que vous... est-ce que lui du coup il va compter aussi? Ou c'est le panneau qui compte? C'est le drapeau je crois qui compte. Hein. Ouais, il en manque un du coup. Il est où? Il en manque un, il est où? Il en manque un. Let's go. Bah non, il y a un petit monsieur à côté. Est-ce que c'est lui? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas le raid à côté. C'est pas marqué raid à côté. Il est en dessous. Okay, c'est lui. C'est lui. Salut. Très peur de tomber là. J'avoue, j'ai très peur de tomber. Rex, il me fait très peur là. Ah, ça avançait à chaque fois que tu fais un double spinning X là. T'as tort ennemi. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir enfin progresser dans l'histoire principale. On a fait 3 mètres en 2 épisodes. Et encore, c'est même pas dit. Hein. Y a quoi ici? Quoi là-bas? Juste pour un gros monstre, ça? D'accord, c'est juste pour toi. T'es pas un méchant. Enfin, si, t'es un méchant, mais.
Par contre, faut monter en fait. Pourquoi il peut pas monter ce con? On lui tape quand même, hein, c'est pas grave. Hop. Éjection. Il y en a un qui a rempli, non, non, pas du tout. Mais il est presque mort le gars. Hein. Heureusement qu'on peut taper à distance quand même. Il est vrai. En éjection de France, ça va être compliqué là-bas. Dommage. Hop. Hop. Ta 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 ta. Elle va nous éjecter. Hop, oh non, Nicole est mort. Enfin, presque. Hop. Eh, mais Nicole, il est tombé en bas, ok. Je savais même pas que c'était possible. Ça va être le pire endroit pour attaquer, hein. On est d'accord. Bon, on va pas réussir à faire progresser l'histoire. On va bien les taper, quoi. Il y a beaucoup de monstres. Bon, peut-être pas dû aller voir, mais je me suis dit, j'ai utilisé un ascenseur à éther, ça sert à quelque chose. En fait, je me suis rendu compte, après coup, que la porte était fermée en dessous, et que j'étais obligé de passer par au-dessus. C'est tout. Autrement dit, je suis un peu con. Voilà. C'est tout. Et je peux plus l'agresser. Il va falloir arrêter, par contre, avec les mobs qui sont plus à portée. Tin, 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 tin. Ah voilà. Ok, ben voilà. Et quoi ici, il y a vraiment rien. What? Pourquoi il y a un poisson? Pourquoi il y a un Morlock là? Quoi ça correspond ça? Bon là je suis niqué évidemment. Hop, je peux pas ouvrir la porte. On va sauter par là comme ça. 3000 dégâts, je peux pas ouvrir la porte, toujours pas. Non. Quoi ding? Trône d'Albâtre, un repère. Trône d'Albâtre. Pourquoi ça me parle cet endroit? Ah, il y a une relique. Il y a une relique. Kit de déblocage de gemmes. Ah, et le kit de déblocage de gemmes, c'est pour une personne. Oui, c'est pour une seule personne. J'en ai deux, je crois. Est-ce que je devrais pas mettre ça sur un support en plus? Ah, j'en ai quatre. Ah oui, j'en ai quatre. On va mettre ça sur le support. Et est-ce que j'ai besoin de mettre ça sur les tanks? On va mettre ça sur les tanks. Non, un tank, on va mettre ça sur Nicole et on va mettre ça sur Rex. Ça, il peut également taper. Et voilà. Fige des dégâts, 120% de dégâts quand le personnage subit des dégâts. C'est fort ça. Cela dit, ils prennent pas forcément de dégâts. De faire ça. Toi, tu peux réduire l'hostilité générée par les arts. C'est pas mal. Toi, au contraire, augmente de 22% l'hostilité générée par les arts. Voilà. Et toi. Voilà. Ça me paraît ok. Ça me paraît ok, système. On va juste sauvegarder. Hop. On va passer. Rip. On va demander. À Hey. Ça demande un peu plus d'adresse que Rex n'a. Hashtag le bourrin. On va aller voir ce qu'il y a ici. Hop. Couvert que blanc, pierre lac. Est-ce que je peux monter l'échelle? J'ai de quoi la construire. Bah, il nous faut les cylindres d'éther. Hein. Tadam.
Heureusement hein, que j'ai les matériaux. À un moment, je vais arriver à un endroit, je vais plus pouvoir monter. Oula. Mais il y a un très gros piaf là. Est-ce que c'est par là au moins qu'il faut que j'aille? Bonjour vous. Quoi? Pourquoi il est tombé? Non, je ne vous demande rien, vous ne me demandez rien. Je vous dis au revoir et je vous dis merci. Massif de Valak. Phew, on a déjà fait un sacré bout de chemin. Il sera bientôt temps de se reposer. Voilà. On va arriver là. Un peu de cinématique. On pose un camp. Hey. Hey. Je t'écoute. En renonçant à l'occasion de devenir un dieu, j'ai perdu le pouvoir d'avoir des visions. Ah. Mais toi, Hey, il n'y a pas un unique avenir préétabli. Tu devrais le savoir mieux que quiconque, Shulk. Effectivement. Si je devais te prédire aujourd'hui quelle forme pourrait un jour prendre votre avenir, ce ne serait qu'une possibilité parmi d'autres, et elle serait bien vague, en plus. Ce qui modèle l'avenir, c'est la volonté. Ce n'est rien d'autre que ça à l'avenir, Shulk. Tu as bien raison. C'est pas bon de vieillir. L'âge émousse mon courage. Et vrai de vrai. Foncez l'âme au clair dans mêlée, et plutôt pour jeune pont téméraire. Bien dit, Riku. Et en fait, Maître Pon qui a dit. Ton maître. Hein. Maître Pon a aussi dit, si Riku trouve casse-cou pareil, Riku donne ça. Oh, c'est pas... Tout le monde est ici, dedans. Et aussi avec Shulk, là-dedans. Tu as raison. Nous ne sommes pas seuls. C'était la 7 fétiche, je suppose. Ce n'est pas Shulk qui l'a prise. Camp du pic de Valak. Elle est réservée, évidemment, à Noah. Ça, ils ne le savent pas encore. Alors. Voilà. On va en avoir besoin. Ouais, on a l'impression qu'il y en avait plein. Il y en a eu juste deux. Yes. C'est ma foi fort joli quand même hein, dans ces environs. J'aime beaucoup les environnements. Je préfère ne pas regarder en bas. Non, effectivement. Par contre, c'est bizarre qu'elle soit déjà construite. Lieu découvert, l'île prison. Nous sommes déjà à l'île prison là? Effectivement. Il y a point de point d'exclamation. Faut dire qu'il y a plein de quêtes évidemment. Oula. Un Drégule. Bonjour le Drégule. Alors, voilà, vous m'en voudrez pas. Hein. Ah, une mine d'éther là-bas. Enfin, une veine d'éther plutôt. Ta-la-la. Hop. Viens par là, toi. Loup. Ok, presque 3. Ce qui est plutôt bien. Il est un peu bugué ce dragon quand même, non? Il fait des demi-tours, mais il a un pixel d'espace. Félix Obscur. Talin, 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 talin. Je me pose quand même des questions de pourquoi. En fait, c'est ça. Ça se trouve, les. En fait, c'est sûr, en fait. Je suis bête. Poser la question de pourquoi il y avait dans un Future Connected déjà ces bêtes de d'ombre là, mais c'est simplement en fait une manifestation du fait que les deux mondes se fusionnent, simplement. Et c'était les premières manifestations dans Future Connected du Xenoblade Chronicles 1er nom. Enfin, plutôt Definitive Edition quoi. C'était assez intéressant, ça me donne très envie de refaire les jeux en fait. Enfin le 1 en tout cas. C'est vrai que le 2 je l'ai fait deux fois, je l'ai quand même bien en tête. Le premier je l'ai fait qu'une fois et le DLC aussi. Et le DLC je le trouvais un peu mou au niveau du gameplay donc je suis moins concentré sur l'histoire. Mais maintenant qu'il y a le 3, ça vaudrait vraiment le coup de refaire les jeux. En se disant on a la connaissance globale de tout.
enfin on va dire plutôt la connaissance générale des trois jeux, donc de l'histoire, la trame principale, et ça pourrait être intéressant de refaire le jeu pour voir les détails. Pour voir les détails et voir ce qui aurait pu nous échapper en premier visionnage, quoi. Donc il y a forte probabilité, très forte probabilité. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas de quelle forme ça prendra, je vous l'ai déjà dit, mais nous referons l'entièreté de la trilogie Xenoblade Chronicles un jour sur la chaîne. Ce sera probablement en live pour le coup, donc déjà il faudra que je commence à faire des lives, et ça sera, et ça c'est pas tout de suite. Mais quand nous commencerons à faire des lives, il est possible, et ce sera pas tout de suite non plus, parce que bon, bah faut pas se lasser non plus du Xenoblade, et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que vous avez du Xenoblade sur la chaîne, et c'est très cool parce que j'adore la série, mais on va pas faire du Xenoblade d'âge 24 quoi. Mais il est fort probable qu'à un moment donné je refasse les trois jeux en live, et ce sera plus intéressant à suivre tous ensemble, de redécouvrir et théoriser, enfin pas vraiment, pas forcément théoriser, mais dialoguer en direct sur Xenoblade Chronicles. Ça arrivera un jour, très très probablement. Maintenant la question c'est quand, comment, déjà pas tout de suite, ça c'est certain. Pourquoi t'es là toi? Pourquoi je peux pas t'atteindre? C'est honteux. Voilà, bref, ça tease. C'est pas là ou... C'était comment il s'appelait? C'était Mumba? Mumbar? Mambu? Mwamba? Non, non, c'est pas ça. C'est pas Mwamba. Mwamba, c'était dans le premier. Non, c'était... Comment il s'appelait, le con, là? Celui qui nous a trahis. Il est mort ici, non? Dixon. C'était Dixon, voilà. C'est pas là que Dixon est mort? Il me semble, hein. Ce virage là, 90, me rappelle la mort de Dixon. Je me trompe peut-être, mais je crois pas. Hein. Ça me paraît pas très haut par rapport à l'île prison, mais. Pont de Gravina. Mais non, il est pas mort. Il est pas mort à l'île prison, Dixon, si. Il est mort à l'île prison, Dixon. Je confonds. Je suis pas sûr. Il est mort à l'île prison. Non? Vous voyez, je sais plus. Rien que ça, je sais plus. Oui, ça vaudrait le coup de le refaire. Hein. Rien que pour ça. Ouais, alors par contre, là, on n'est pas bien du tout. Parce que là, le problème, c'est que. Non, on a perdu A. Je me suis trop avancé, j'ai pas tué lui. Et du coup. Le problème, c'est que. On se prend l'aggro de tout le monde, là. C'est pas cool. Ouais. Tintintintin. La faille des brumes, faut qu'elle se ferme. Hop, faut que les combats s'arrêtent, tout simplement. Ok, je ne me suis plus. Par contre, va falloir arrêter de nous prendre l'aggro. Hein. Ok, merci. Ok, bon, en vrai, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. Je crois que ça me paraît bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. On aura un peu progressé, mais pas, vraiment pas beaucoup. On galère, hein, la progression se fait vraiment de manière très lente. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une main qui sort du... Quoi? Pourquoi il y a une main qui sort du pylône, là? On m'explique. Cela dit, c'était peut-être déjà le cas dans Xenoblade, prenez du nom. Hein. Bref. On s'arrête là pour cet épisode. On se retrouve a priori la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.